maire qui ne prend pas. C'était la semaine dernière celui d'Anne Hidalgo. Hier, c'est Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, qui se dit prête à envisager une candidature à la présidentielle. Réponse à la mi-janvier. Mais elle a fait ce matin un premier déplacement, une promenade sur un marché de Saint-Denis, tout près de Paris. Et vous l'avez suivi, Marion Gauthier. Oui, Christiane Taubira a été accueillie par les applaudissements, vous l'entendez, de quelques dizaines de sympathisants. Plein d'espoir, il parle du charisme de la potentielle candidate. Elle refuse de se déclarer, préférant la place d'artisan de paix à gauche. Je vais continuer à avancer avec détermination. Je me donne le temps nécessaire de faire en sorte que nous puissions saisir cette dernière chance de l'union. Parce que je crois que cette union, elle est nécessaire. Pas pour une candidate ou un candidat. Même pas pour la gauche, elle est nécessaire pour le pays. Et l'ancienne garde des Sceaux souriante face aux partisans de la primaire populaire, le dernier espace où l'union peut se faire, lance-t-elle. L'union qu'attendent plusieurs élus venus à sa rencontre, à commencer par Mathieu Hanotin. Évidemment, le maire de Saint-Denis tente de lui frayer un chemin dans les allées du marché. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une dynamique populaire manifeste autour d'elle et je trouve que c'est une bonne chose pour la gauche. Voilà. Et que tous ceux et toutes celles qui veulent sincèrement l'union de la gauche, ils sont tous les bienvenus à Saint-Denis et je les accueillerai aussi avec grand plaisir. Et de quoi répondre au candidat écologiste Yannick Jadot et à celui de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. Tous deux ont rejeté l'idée d'une primaire et critiqué l'entrée en lice d'une nouvelle personnalité de gauche, quand bien même celle-ci assure qu'elle ne sera pas une candidate de plus. Merci Marion Gauthier.